Bonjour, bienvenue sur la chaîne secondaire. Je suis allé trop loin là. Tu fais partie des 1% de la commu, c'est comme une chasse au trésor mais sans trésor. Du coup ça marche pas. Et si mon gars c'est que du bonheur 3 fois par semaine, donc abonne-toi, mets ton petit like, tu vas te régaler. Et puis là la vidéo qui arrive, pouf, dinguerie. Allez, bon visionnage mon champion. Quoi? Mais bien sûr qu'on va le finir le jeu. Allez, on le finit. Allez, bien sûr qu'on le finit le jeu. Yes. Je veux dire, c'est avec plaisir quoi. Putain, mais quel bonheur. Quel bonheur de faire un hobby en chariot élévateur. C'est tout ce que j'ai besoin dans ma putain de vie. Est-ce que je peux faire monter le truc à l'avant? Oh putain, on peut faire monter le truc à l'avant. Tu déconnes. Attends, regarde le créneau. T'es vraiment une grosse merde. Non. Tu vois le futur. Mec, c'est le meilleur jeu qui existe. Cliquez deux fois sur R pour essayer votre personnage si vous êtes coincé, d'accord. Mais frère, en fait, ce qui me tue, c'est qu'il y a autant de gens en chariot élévateur, ça me tue de rire. Moi, je trouve ça très drôle, putain, faut pas. Wesh. Ah, ok, d'accord, je viens de capter. C'est pour ça que. Wow, wow, en fait, faut, déjà, faut lever la plaque à l'avant. Mets la plaque à l'avant tout en haut. Comment tu fais? Appuie sur eux. Non, moi, je suis hyper fort au jeu. Oh putain, oh putain, oh putain. Non, je suis tombé. Non, c'est bon. Je suis tombé. Les gars, je finirai le jeu avant lui. Hein. Je vous le dis, hein, dans 5 minutes, le jeu, il est fini. Hein. Mais mon chariot, il est planté, frère. Il s'est planté dans le sol. Faut vraiment que je tape des créneaux premier degré là. Est-ce que t'as la musique de fond qui va avec, mec? Ouais, j'adore. J'adore cette musique très okay, Louis XVI okay, alors que je conduis un chariot élévateur. Mec, t'as speedrun de bête. Oh putain, ah, j'avais pas vu le truc. Un chais. Mec, je suis sur un autre level. Non, abuse. Bah, je suis sur un autre level là. La hauteur de la barre, faut la mettre à vraiment une bonne échelle, mec. Regarde, je te jure. Enfin, ah oui, d'accord, faut mettre la barre tout pied. Aïe. Eh, c'est très technique comme jeu. Il faut mettre la barre au bon moment. Au bon endroit. Comment tu réagis, mec? Mec, regarde, du coup, le transpalette, il passe tout pile dans le mur. Oh, mec, le niveau d'après, c'est encore plus compliqué. Mais tu me parles du jeu de transpalette, là? Qu'est-ce que tu me racontes du... Oh, mec, la galère du niveau. Mec, t'as pas vu le dernier level qui est sorti, hein? Ah, si. Il reste le level, il est trop compliqué. Ce transpalette, t'as pas vu la gueule du niveau. Bon, j'avoue que là, c'est un petit peu difficile, quand même. Oh, mec, je suis revenu au niveau d'avant. Oh, non. Non, mec, ça m'a... Salut, Klinko. Oh, non, tu déconnes, faut bouger le truc en même temps. C'est génial comme jeu. C'est génial. Mec, l'utilisation du transpalette à l'avant, ils ont trop bien fait. C'est génial comme jeu. Tu vois, ils se foutent de ma gueule. C'est génial. Et j'ai un transpalette. Mais là, et je suis tellement heureux dans ma vie. C'est sa meilleure vie, les mecs. Je suis désolé, Klinko, pour tout ce que j'ai dit. Voilà, merci, je préfère. Moi, je fais pas pour rien, mec. Moi, j'ai toujours cru en tes jeux. Bon, je mens un peu là. Ouais, t'es déjà arrivé? Attends, c'est une dinguerie. Bah, je suis transpalettier de père en fils, hein. Je suis hyper fort en transpalette, les gars. Ça va, mentalement, je suis tellement heureux, mec. Regarde, oh là là, donnez-moi ça, là j'abaisse l'avant pour passer. Oh, ici il y a un créneau, les copains, il y a un créneau. Il y a un créneau. Attention, une roue dans le vide, ça passe. Ok, ici il faut adapter par rapport à la hauteur du mur, donc faut monter petit à petit. Okay. Plus on avance, plus on monte. Ici, attention au virage, on va venir rebaisser un petit peu. Mec, je crois que je vais devenir pro de ce jeu. Hein. Non mais les gars, je vais devenir joueur pro de ce jeu. Hein. Oh non, putain. Non, non, j'étais passé. Mais j'étais passé, le jeu m'a troll. Non les gars, le chat, t'avoue, j'étais passé. Mais putain de jeu de merde. T'es niveau 10, mec, mais comment t'es niveau 10? Let's go. Oh là, faut bien être aligné avec les roues. Ah. Putain. Oh, le monstre. Vous devriez ralentir pour mieux bouger dans la glace. Non, y'a pas de la glace quand même. Oh, y'a du drift. Oh, je suis en train de drifter en transpalette. Je suis en drift. Mon gars, dans ma Lamborghini après quelques dodan. Comme mon ex disait, va doucement. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous faisiez avec la transpalette? Écoute, on élevait des caisses. Non, oh, t'en as déjà utilisé un. Oh là, c'est très compliqué ce qui se passe. Le nom du jeu, s'il vous plaît. Le nom du jeu, les gars. Vous voyez? Attends, c'est quoi? On joue à quoi? Je savais pas quoi on joue. Devenez hobby certifié de chariot élévateur. Le nom du jeu, il est pas long. C'est le genre de truc qui me fait coucher à 3h du matin alors que j'ai des choses à faire quoi. Félicitations, venez de débloquer le chariot élévateur à herbe. Je crois que la traduction elle pue sa grand-mère. Wesh, y'a des gens, ils sont morts 198 fois sur le jeu, moi que 18 fois. Et toi 60. T'es trop nul. Mec, je suis bloqué niveau 9. Ah putain, là c'est compliqué. Ok, je sais comment faire. Pitié, me valait pas. S'il vous plaît, tout ce que je demande. C'est même un petit peu inquiétant que je sois aussi fort à ce jeu. Oh. Oh oui. Oh putain, dommage. Non, non. Presque. Waouh. T'as raté. J'ai surtout explosé mon chaise en direct. Ma chaise. Mec, j'ai explosé ma chaise. Bien, wesh, mec. Mec. Elle est cassée? Les gars, cagnotte pour la nouvelle chaise de Klinko, s'il vous plaît. Ah non, pas encore en tout cas racheté. Les gars, c'est trop. En fait, le truc sur la glace, c'est trop dur parce qu'il faut drift. Ok,
Je suis en train de maîtriser la glace. Non mais les gars, regardez s'il vous plaît, juste la maîtrise de la glace que j'ai. Non mais s'il vous plaît, regardez la maîtrise de la glace que j'ai, s'il vous plaît. Vous avez vu les mini drifts que je cale sur moi-même? S'il vous plaît, il y a un level sur ce jeu que j'ai jamais. Pourquoi je suis fort à tous les jeux nuls? Fortnite, je pue sa grand-mère. Et Valo, je pue sa grand-mère. Par contre, quand tu me parles de chariot élévateur, je suis trop fort. Non, putain! Non, la glace, elle a fait de la merde. Vous avez vu, ça a fait un mini glitch, ça m'a niqué. Putain, j'ai trop le seum. Non! On est quand même. Non! Et que le niveau de vie, on a pas baissé. Non, j'ai pas niqué! Une dinguerie. T'as compris? Let's go! Frère, je pensais pas avoir des émotions aussi grandes sur ce jeu. Let's go, GG, t'es le coach. Moi, ce qui me fume, c'est que les gens, ils soient à fond sur le lobby. Je trouve ça génial, le fait que vous soyez vraiment à fond, mode, ouais, let's go. Alors juste, je fais des créneaux. La vie, je m'ennuie pas. Je tape des créneaux, frérot. Et là, vous êtes divertis. Eh ben, Ardisson prend ça dans la gueule. Eh ben, écoute-moi bien, Ardisson. Attends, c'est quoi? Il y a un tapis roulant? Attends, je comprends rien, je suis en marche arrière, ma gueule. Attends, je comprends rien, ça. Oh là 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 là. What? Il y a des zones rouges avec du tapis roulant. Mais vous êtes des malades mentaux. Mais vous êtes des grands dingues. Mais frérot, non, mais c'est quoi ça? Les gars, je vais arriver. Hein. C'est très bien que j'ai pas abandonné. Hein. En fait, je pense que le mieux, c'est de se mettre de côté, comme vous voyez, comme je fais là, et après de reculer. Alors du coup, les touches sont en inversé. Vous voyez, je fais ça, et en fait, en changement, du coup, je t'ai changé la marche arrière en marche avant. Genre là, toi, je passe là. Ah, c'est une idée de merde. Oh. Je suis bien. Oui. Non. Allez. J'ai peut-être été très content, mais j'ai pas overreact pour le coup. J'étais vraiment très heureux. Vraiment, j'étais trop heureux là. Oh, c'est une dinguerie, ça va battre vite ça. Mais moi, je suis mort de baiser là. T'es pas tout seul, vous aussi, vous avez crié? Ça fait plaisir, merci. C'est nous, j'arrive, hein. Mec, c'est trop dur, sa grand-mère, les trucs d'après. Gars, je suis le meilleur joueur du monde. Non. Je suis le meilleur joueur du monde. De toute façon, vous débloquez le chariot élévateur de l'océan. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi je trouve toujours les plus gros jeux de merde? Ouais, mais ça fait plaisir, je suis tellement heureux de jouer. Parce que entre A One I Try This Game et entre Tractopello Simulator. Tractopello! Non, mais. Ok, mec, c'est parti. Oh là, mec, ouais, j'ai un niveau. Wesh, frère, faut gérer le chariot élévateur, il y a des trucs au sol. Mais mec, c'est une dinguerie, c'est impossible. Non, mais wesh! Je vais établir une strat, les amis, pour passer ce niveau-là. Je pense qu'il faut d'abord que je passe sur la gauche. Ou alors je passe là. Ok, je pense, voilà, je passe là. Ici, j'élève le truc ici. Tourne à droite. Ah, ici, il faut que je fasse déplacer un petit peu le train arrière. Parfait. Et donc ici, je vais arriver sur la gauche. Non. Donc je vais baisser ça un petit peu. Oh putain. Non mais les gars, je suis le meilleur joueur au monde, c'est pas possible. Se déplacer vers l'arrière peut réduire la vitesse du convoyeur. Alors lui, il m'apprend vraiment des conneries. Y'a un mec, il a un skin, Klinko. Il a un skin. Putain, j'ai un skin d'eau. Mec, c'est que je suis prêt à payer là. Je suis prêt à payer un skin. C'est vrai que s'il y a un skin qui coûte des Robux, c'est que je l'achète, hein. Bon, les gars, j'ai pas acheté parce qu'il faut que je rachète des Robux, mais sinon je l'aurais bien fait. Hein. Oh putain! Mec, c'est super dur, mais je suis complètement accro. Non, mais le niveau est super dur, mais je suis complètement accro. À droite! Derrière! Oh putain, dommage! Hop, directement en marche arrière. Tel Michael Jackson! Ici, on repart en marche arrière parce que j'adore Michael Jackson, à part le fait qu'il aimait un peu trop les enfants. Parce que regardez, là, je vais prendre en face le tapis roulant, je vais le prendre en face aussi à fait devant. Regardez, je me mets un petit peu sur le côté. Déplacement d'une fluidité qui est inégalable. Inégalable, vraiment. Vraiment d'une fluidité que personne n'a jamais vue. Hein. Donc là, je me mets sur le côté, en fait, parallèle au booster. Ok, et là, du coup, je vais refaire la même strat. En gros, faut se mettre un petit peu de biais. Regarde, t'es prêt? K, je vais passer. Putain, j'étais trop de biais. Au pire, les gars, je propose une technique, on y va à fond. On trace! C'est parti! Oh putain, ça a failli passer. Eh, Sudzo, tu peux incruster ma cam en fond vert? Ah, je serai le maire, la sœur. Oh! Parce que je peux le mettre, les gars, ou ça dérange pas, je le mets en haut là. En attendant, je te mets au coin. Ah, chouette. Salut. Je te mets au coin en attendant. Non, mais c'est pas un fond vert ça, Klinko. Guilouk. Ah, trop marrant. Et il veut quoi, lui, à me regarder là? Eh, avance! Je suis en train de m'embrouiller avec un mec, excuse-moi, Klinko. Il est fou, les frères. Avec un mec. Bah, il me regarde mal. Comme ça, carrément, il est choc barre de baiser. Il met un fond vert, par pitié. Tu peux me mettre sur le chariot élévateur, s'il te plaît? Moi, je suis en RP. Oh putain! Ah, je suis revenu. Attends, frérot, attends. Parce que c'est compliqué, parce que moi, j'ai manœuvré en arrière, du coup. Je me fais une petite danse pendant que ça passe. Par contre, je voulais RP, hein. Quand je tombe, faut que tu tombes. Ok, vas-y. Bien, c'est que c'est bien fait. Ah, mais il y a eu du travail, hein. Bah, tu crois quoi? Putain, mais mec, c'est trop dur. Mais en fait, pourquoi il y a un bitmoji au-dessus de ma cam? Pourquoi il y a un putain de bitmoji, frère? Attends, casse les couilles. Il vole le stream, je suis bien d'accord. Ok, là, j'ai géré. Là, je recule. Oh, 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 oh.
On marche arrière. Attendez, le chat, faut que je fasse demi-tour. Oh, le demi-tour de professionnel que je viens de taper. Viens, on fait une incrustation tous les deux. Oh. Ouais. Let's go. Je suis tellement heureux. Oh, attends. Mec, il y a une épreuve de baiser. Oh, il y a un tremplin. C'est quoi cette connerie? Tiens, c'est juste pour faire des blagues, ça y est. C'est quoi cette connerie? Je suis où? What the fuck? Donc là, en gros, faut que je réussisse à rester droit. Oh, j'espère qu'on va le voir à la caméra du coup. Je suis en train de faire du bobsleigh, mec. Ah, c'est très marrant, c'est Elbat, la vanne. Hey. Ça donne envie de crever ce niveau là. Oh, ouais, c'est bon, j'ai réussi. Ouh, let's go. Félicitations, vous êtes débloqué le chariot élévateur plasma. Oh putain. Ah bah, oh, le plasma. C'est toi là-bas qui est en train de sauter comme un golemon. Oui, c'est moi. C'est compliqué. Je crois, si je peux me permettre, c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Ouah, c'est tellement fin. Depuis 10 minutes, c'est moi, oui. Qu'est-ce comment c'est fin le bail? Mec, c'est trop chaud de faire un créneau sur ça là. La poche, mais putain, mais. Faut le faire avec la vitesse, C'est l'archi au premier degré, votre truc en plus. Mais c'est ça qui est pire. C'est ça qui est drôle, c'est que le jeu est premier degré du. J'y vais. Attends. Panique. J'y vais. Recule. Oh putain, j'y vais plus du tout. Allez, on y va. Comment s'appelle le jeu? Tape hobby tractopelleteuse, frère. Ok les amis, c'est quoi, on va tenter la technique douce maintenant. Dès que cette roue là elle est là, on commence à braquer. Ici on arrive ici et en fait ici on va avoir un changement de roue. D'abord roue avant arrière qui passe. Oh, je suis un monstre, attendez, je viens de trouver la technique. Là dans l'angle je braque à fond. Là ici ça fait un effet de contrebalancier. Et dès que je suis là, je recule. Oh les gars, j'ai trouvé la technique de baiser. Je suis trop fort. Non mais guettez juste la cape de Klingo s'il vous plaît. Guettez juste la cape de Klingo. Par pitié s'il vous plaît. De quoi? Non mais je suis concentré, ça m'énerve. Putain. Les gars, on d'accord, par contre j'ai pris un level sur le jeu qui est assez inquiétant. Bah, Let's go. Attends quoi? Les briques booléennes peuvent être colliables ou non colliables. Les amis, je vous annonce officiellement que ce jeu est le top 1 du lobby. Je suis top 1 lobby. S'il vous plaît. Maftel est derrière dans le rétro. Hein. Mais comment ça les trucs booléennes? Ah, booléennes c'est... Ah ouais putain, faut trouver la bonne way. Là j'ai une technique les amis pour savoir c'est laquelle. Regardez, celle-là on passe à travers la caméra, celle-là on passe pas à travers, c'est celle du milieu. C'est trop une dinguerie comment t'as très hard Roblox toi putain. Bah après j'ai quand même raté hein. J'ai pas réussi à faire le virage hein. Quand t'es un bon hobbiteur. Wesh. Toi t'es pas un hobbiteur, c'est pour ça. C'est sûr du terme. Ouais bien sûr. Ok, c'est encore devant. Facile. Mais c'est quoi cette merde frérot, c'est quoi ce bordel? Il y a l'irrégularité de pile hein. Surtout ne regardez pas mon nombre de morts s'il vous plaît. 210. Pas le rouge, pas le... Oh le bâtard, c'est sûr c'est le bleu. Quoi mais c'est où là? Il y a aucun bon. C'est le rouge. Oh le chien de la casse, c'est le rouge. Oh c'est vraiment un gros chien de merde. Oh non, j'ai pété un câble. Ok, technique arrière les amis, marche arrière à fond. On bombarde en marche arrière les gars. Mec, tu sais que je suis en kiff sur le mais jeu les gars. Une... Mec, non mais mec, on dirait que j'ai conduit ça toute ma vie. Putain, j'ai oublié que le rouge il existait pas, j'ai envie de pleurer. Gauche, droite. Carrément, je me suis permis de danser sur le pont. Mais cet enculé va me faire tous les détours du monde, hein. Let's go! Gars, je suis un truc, il a pété un câble, le créateur. Ah, au-dessus, il y a le parcours. J'ai compris, au-dessus, il y a le parcours. On me dit, Klingo, tu es trop drôle dans le chat. Ah ouais? Oh, merci, le chat. On dirait Gaëtan après son buzz cut. Klingo, enlève cette cape par pitié. Oh quoi, Klingo, t'as gros. Les gars, c'est trop dur, je dois faire. Avec toi, on nous a entraîné à faire des créneaux sur des tout petites routes et maintenant je vais les faire, mais sur des routes invisibles. Tu vois même pas la limite de la route, donc ça c'est cool. C'est à peu près là. Regardez, préparez-vous. Par le niveau du joueur français. Hein. Ah putain. Oh, y'a un toboggan ici. Oh, je vais arriver jusqu'au toboggan. Je vais arriver jusqu'au toboggan, gars. Frère, mais il est trop dur ce niveau. Rappelez-vous, 1000 subs, il achète un chariot élévateur IRL. Les gars, 1500 subs, je refais le jeu IRL. Abandonne jamais de la vie. Alors là, mec, si je dois rester ici qu'à minuit, sache que je le suis. Hein. Franchement, moi, je pense que si tu finis ce jeu-là, on t'offre le permis. On devrait t'offrir le permis. Oh, let's go. J'ai réussi, les gars. Les gars, je suis passé. Ok, nouvelle intersection là. Les gars, vous avez vu le niveau que j'ai ou pas, s'il vous plaît? Ma roue arrière. Ah ouais, putain, j'ai trop le seum. En fait, le gars, le truc qui est horrible, c'est que toutes les lignes, elles se confondent. Ok, les gars, je viens de découvrir un nouveau truc sur le chariot élévateur. En fait, avec le transpalette à l'avant, le centre de gravité n'est pas au milieu du transpalette, mais ici. Non, mais les gars, vous rendez compte ou pas, s'il vous plaît, le niveau de tryhard que ce jeu demande? C'est qui le clodo au-dessus de la cam, là? Les gars, pourquoi il y a un clodo, il s'est ramené ça? Ouais, je respecte moi, Alexis. Wesh, il veut pas aller sous un pont, lui ou pas, là? Mec, par contre, je pensais pas que la difficulté du jeu était poussée à ce niveau-là. Les gars, c'est la dernière ligne droite. C'est un niveau après? Ah non, mais il y a plein de niveaux. Mais moi pour finir le mien. Et combien de niveaux? Je sais pas du tout. Oh let's go. Venez de débloquer le chariot élévateur chrome. Alors ça c'est de la frappe. Alors ça c'est de la frappe ce que je viens de débloquer. Mec, attends, y'a un niveau de baiser là. Oh mec, j'ai un niveau de baiser. Guettez s'il vous plaît. Oh, j'ai un tremplin. C'est parti. Youpi. Youpi. Non, pourquoi je reviens en arrière? Pourquoi? Mais je suis quoi? Je suis Nekfeu? Aucun rapport. Attendez les gars, mais attends, ce niveau là est génial. Attendez, je suis amoureux du niveau là pour l'instant. Ok, 3-6 no scope, raté. Ok, on va se caler bien les amis, on va relever la fourche avant. Ok, c'est parti. Ok.
putain, j'aurais pas dû. Ok, faut que je laisse la truc avant baisser. Puis les gens, c'est dégueulasse. Ou alors, je te partage. Oh mec, oh putain, j'ai pas le checkpoint, je suis dégoûté. Ok, c'est celle-là. Mec, je comprends pourquoi j'ai pas cette vitesse. C'est pas sur mon live, Klinko. Oh, recule. Oh, recule. Non. Pourquoi je vais me mettre en arrière, les gars. On va tenter une en arrière. Mais les gars, je suis en train de caler des figures de skate. Oh, c'est passé avec une... figure de... Allez, les gars, maintenant, là, c'est compliqué. C'est quoi cette merde? C'est compliqué, ça, les gars, ce que je fais, là. Bah, pourquoi je passerai sur la droite s'il y a un truc ici? Bah, ils sont cons, quoi. Et je suis vite. Oh, le bâtard, il vient de me baiser. Là, jamais de la vie, lui il passe, hein. Oh, putain. Si, les gars, c'est un vrai pont. Let's go. Waouh. Les gars, c'est quoi ce niveau de baiser, là, avec le transpalette? C'est un labyrinthe? Non, mais c'est quoi ce jeu de baiser? Donc là, faut que je lève ici pour que ça passe, là, dans le tout petit trou. Mec, même le trou, il est minuscule. Mais wesh. Bon, au final, je vais aller là, parce que le jeu a décidé que j'aille là. Vous avez jamais vu un joueur de labyrinthe comme ça? Oh, putain, c'est un cul-de-sac. Faut que je recule. Ok, marche arrière. Oh, le joueur de marche arrière. Ok, ici créneau. En rapide. Le joueur français est dingue. Le joueur français est absolument dingue. Ok, ici je remonte ici à ce niveau-là. J'adore la mécanique du transpalette, frère. Non mais vraiment, j'adore cette mécanique. Ok, ici je remonte à là. Ok, ici je rebaisse à là. Prise, mais en fait ça va pas le faire. La POV de Guigui, non vous abusez là. Ok, ici je remonte. Ici je rebaisse. Les gars, je vous mets mon TikTok sur le brevet en même temps. T'as chien. Voilà, t'es pas. Non, putain, Clico, tu m'as déconcentré, sale gros chien, je te déteste. Oh, pourquoi je suis sur le toit? Tu fais des vidéos satisfaisantes à côté pour que les gens y restent en live. Oh, regardez la POV que vous voulez, hein. Oh, c'est là la sortie. Ok, là ça passe. Oh, mec, c'est quoi ce crâne? Oh, j'ai full chaté. Oh, j'ai eu de la chatte de baiser. Non! Non, je pensais que j'étais bien. Oh, je suis passé. Ce labyrinthe est différent pour chaque serveur. Mais tu déconnes, le labyrinthe il change? Ah non, d'accord, je viens de comprendre. En fait, parfois ça s'affiche les bonnes. Oh, mec, c'est horrible, je me tape dans tous les murs pour savoir où est-ce que je dois aller. Tout droit. Non, me dis pas qu'il va me faire faire tout. Oh l'enculé, il va me faire tout le truc. Les menus, mec, c'est pas grave, c'est pas une question d'heure. Droite, gauche, non. Droite. Quoi? Faut aller derrière? Oh le chien de la casse. Gauche. Oh, je suis un monstre. Devant, à droite, gauche, droite. Non, devant, devant, droite, gauche, gauche. Let's go! Il n'y a plus d'étape de saut au-delà de ce point. C'est la toute dernière étape jusqu'à que tu sois certifié chariot élévateur. Klinko, c'est la dernière étape et après je suis certifié chariot élévateur, j'ai fait toutes les épreuves. Je te redemande. C'est une épreuve ultime, Klinko. Il y a tout, absolument tout qui est mélangé. T'es dans la merde. De la glace, con. Des trucs. Les passages là où faut faire de l'équilibre. Ici, on cale tout le monde et après on fait le petit slide. Vous rappelez, hein, on avait fait ça au dernier level. Putain, j'ai raté. Ça donne envie de crever. Ah ici, vous avez vu le petit slide? Le petit slide il est magnifique, les copains. Ok, ici on va faire demi-tour. Directement, vous rappelez la technique du balancement du train arrière, vous avez vu? Directement, on drift sur la glace. Alors, si ça, avec ça, j'ai pas mon diplôme, les gars. C'est que je suis plus fort à ce jeu là qu'à Fortnite. Hein. Oh là, c'est chaud parce que faut pas toucher le truc rouge. Ici, on passe plutôt tranquillement. Jusqu'à là, les gars, on passe plutôt au calme. Oh non, putain, ça je déteste. Moi, ok, les gars, falloir que je sois habile. Et pas qu'habile, ça n'a aucun rapport. Ça, t'as eu. Frérot, je fais ce que je peux là. Frérot, je fais ce que je peux. Il rend ouf ce jeu. En fait les gars, vous savez où est-ce que j'ai l'impression d'être? Vous avez vu quand vous avez pas écouté en cours et qu'après il y a l'éval? Et bah là j'ai l'impression d'être à l'éval. Genre ça je l'ai passé un peu en chat. Ce qui fait que là quand je suis à l'éval je suis mort. Écoute, on va faire comme on peut, hein. On y va au talon, hein. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Faut que je trouve le bon chemin? Ok, c'est à droite. Bon là, bien sûr, ça va pas être tout droit, les gars, bien sûr. Hein. Et non, bien sûr, c'est jamais tout droit. Les gars, c'est la dernière étape. Et après, je suis certifié. Je me sens tellement mal. Oh, vous avez stressé dans le chat, je suis désolé. Oh, quoi? C'est quoi ce... T'es dans la merde. Je rappelle, les amis, si je touche le rouge, ça m'expulse. Oh, putain, il y a plusieurs hauteurs, l'enculé. Donc là, faut que je monte. Ici, faut que je baisse. Là, à peu près. Ok. Et là, faut que je rebaisse. Ok, ici, je monte là. Là, j'ai pas oublié, les gars, faut que je fasse un créneau. Allez, mec. J'ai pas oublié, les gars. Genre, en fait, littéralement, genre, le truc est pixel perfect, t'as vu ou pas? Petit à petit, je me décale à fond, quoi. Tu mets l'indigonal? J'ai mon diplôme! J'ai mon diplôme! J'ai mon diplôme!
sais pas, mais celui-là, les amis, c'est le trophée du camionneur. Écoutez-moi bien. Celui-là, les amis, vous saurez à quoi il pourrait. Bon, il est un peu petit, donc je peux pas vraiment le brandir. Ça donne quoi le certificat? Oh mec, je peux afficher le certificat autant que je veux. Quoi, combien? Renaissance, combien? Ils ont fait le jeu 1618 fois. Voilà, t'es pas du tout en classement, c'est ça qui est bien. Ouais, mais j'ai un chariot élévateur doré. Et ça, je peux dire que ça, c'est la classe.